Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction en direction la Corée du Sud avec le retour d'un des membres du boys group coréen Vington. J'ai nommé Do Hance, mais avant, on l'appelait plus en mode Hance, hein, il me semble. Ouais, mais là, il met peut-être son nom de famille, je ne sais pas. Pourquoi ça me perturbe d'un coup? Il nous revient tout simplement avec un double single qui se nomme Gummy Beer et un MV qui l'accompagne aujourd'hui et apparemment en feat avec une certaine personne qui se nomme Be A Girl. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli Mélo. Roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. Il me semble que j'avais déjà réagi à l'artiste, je vous mettrai ici. Il fait souvent des trucs très dark, très rock. Maintenant, est-ce qu'il restera dans ce côté-là? Je l'espère, mais pas que. Il peut faire des trucs très excentriques aussi, parfois pop. Il a un petit peu un univers de tout type musical. Et c'est ça que j'aime bien avec l'artiste. Franchement, Vington me manque. J'aimerais bien qu'il nous revienne avec un nouvel comeback cette année. Je ne sais plus s'ils ont comebacké. Je pense au début d'année ou c'était l'année dernière, mais en tout cas j'avais adoré leur comeback. En tout cas, si je me souviens, je vous mettrai ici également le lien. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, je savais même pas qu'il allait nous sortir quelque chose. C'est en swipant en fait sur YouTube que je fais ah ok d'accord, il nous a sorti quelque chose, ben, essayons de le faire aujourd'hui. Et bon, le montage se fera peut-être un peu plus tard, vous aurez peut-être la sortie un peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes chers Méli Mélo en ce 23 octobre et vous avez passé relativement une bonne journée et également un bon week-end. Moi j'étais vraiment de très très mauvaise humeur, maintenant un petit peu mieux depuis le comeback de Seventeen et Billy qui m'ont mis vraiment de meilleure humeur et un peu plus dans la positive attitude. Oui, on peut pas toujours être positif tous les jours non plus hein, les gars. Allez, c'est parti, let's go donc pour le retour de Hance. J'aime beaucoup. Un ours gommeux, ce titre me fume. Ok, on a clairement une musique pop punk. J'aime. Hop, on télécharge. J'adore les petits ours, j'ai trop envie de mettre plein de petits ours partout sur ma miniature. On a vraiment un côté très coloré, très rétro, mais très punk rock, comme la chanson. J'aime beaucoup. En mode... Génial. Ce serait cool que ce soit demi-demi, hein, qu'il vient pas juste maintenant et c'est tout. J'adore son look. Hein. Je ne connaissais pas cet artiste, il me dit rien. Ouh, ça c'est un feat, ça. J'aime beaucoup ce genre de... Comme si en fait tout ce qui se passait là, il s'imaginait parce qu'il est là dans un hôpital psychiatrique et tu vois que son fils c'est lui le médecin en fait et lui c'est le patient. T'as vraiment un chouette MV, même s'il y a beaucoup de glitch, des effets et tout, c'est hyper cool et hyper chouette cet MV. Un MV comme j'aime quoi. Avec ses petits bonbons. Est-ce que ces bonbons représenteraient son mal-être intérieur? Votre saveur légèrement. Franchement, elle est hyper entraînante cette musique. Hein. On a une bonne musique. Très pop, punk et très entraînante. C'est quoi ça? Ok, mais tu vois vraiment qu'il est clairement dans un hôpital psychiatrique. Hein. Gummy Beer. Ah ok, est-ce qu'on voit un petit peu l'arrière du décor?
Je veux dire les scènes coupées ou après t'avais un pot de bonbons là donc il est tellement dans son trip que en voyant ce pot de bonbons peut-être je sais pas. Le son est vraiment basé sur ce côté très pop-punk, combiné à cette mélodie qui est assez entraînante, très rock à la fois et addictif, qui crée quelque part une ambiance assez joyeuse, mais à travers cet MV, on voit aussi qu'il y a un double sens. Il faut savoir qu'il a rejoint un nouveau label, je ne sais plus si Victom est encore ensemble ou plus. Il y a eu tellement de groupes qui ont disband ces derniers temps et tout aussi, qu'à la fin, je ne sais plus, je suis complètement perdue. En tout cas, j'aime beaucoup cette collaboration entre les deux artistes. Très 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 gros coup de cœur pour ce tout nouveau titre. Vous savez, moi, hein, le rock, hein, c'est mon premier, c'est mes premiers amours. J'adore complètement le MV qui est complètement déséquilibré. On voit clairement qu'il est dans cette chambre, un peu comme un jeune, ce côté rock qui est vraiment présent, ce côté complètement décalé. Et comme le titre de la chanson l'indique, on a beaucoup de petits bonbons en ours, hein, les bonbons ours qu'on mangeait quand on était très jeune et encore maintenant. Non, parce que j'aime beaucoup les bonbons. Et tu comprends petit à petit avec des sortes de flashbacks qu'en fait il s'imagine tout ça et que la personne, donc l'autre artiste qui est en collaboration avec lui pour ce titre et dans cet MV est un médecin et que lui il est complètement crazy dans un hôpital psychiatrique. Tu vois aussi sur cet abord de cheminée une sorte de verre avec plein de bonbons en ours. Donc peut-être qu'il s'imagine que tout est parti de là, vraiment dans son esprit complètement déliré. Enfin voilà, on a vraiment cet amalgame et ce double sens. C'est vrai que je n'ai pas trop suivi les sous-titres, donc je ne sais pas trop de quoi la chanson parle, donc désolée, mais j'étais vraiment happée par tous ces glitches, tous ces effets et cet MV qui était vraiment, bah, j'ai envie de vous dire, génial, franchement génial, comme la chanson. Au niveau en tout cas du visuel du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de deux titres et un autre feat pour ce deuxième titre. Et au niveau du visuel de la jaquette, gros coup de cœur, à mon cœur. Oui, j'ai mon fils dans les bras. Vraiment très 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 gros coup de cœur. On a tous ces ours partout par là. Vous avez lui avec une de ses tenues très excentriques qu'on pouvait retrouver dans le MV, ce fameux chapeau également, et ce pansement, et tu vois qui tient un ours hein, dans les mêmes couleurs, mais avec une sorte de truc SM là dans la bouche. Oui, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, gros coup de cœur pour que ce soit... Pardon, gros coup de cœur que ce soit le visuel du MV, la chanson, ce côté pop-punk mais très rock à la fois et également le visuel de la jaquette du single. Tout est en cohérence et vraiment ce côté complètement crazy, décalé, coloré, rock. Je vous dis oui. Et vous mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout comme moi le retour de l'artiste, que ce soit au niveau du MV, mais également son feat, son double sens et également cette chanson. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.